Salut et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous allons nous plonger tout de suite dans une île Maurice quasi inconnue, voire antique. Depuis le 22 juillet 2024, le musée Blue Penny propose Maurice Longtemps, une exposition prévue jusqu'au 26 octobre 2024. Cette exposition, réalisée en collaboration avec l'Iconothèque historique de l'océan Indien et une pléiade de partenaires, propose une rare vision de notre île à travers des images remontant jusqu'à 2 siècles de cela. En effet, la collection que vous allez voir est issue d'un échange d'images anciennes numérisées provenant de la Réunion. Emmanuel Richon, conservateur du musée et initiateur de l'expo, nous en dit plus. Cette exposition, Maurice Longtemps, fait un peu écho à une autre exposition de l'année dernière, pour lui Longtemps, si je ne me trompe pas. Alors justement, voilà, parlez-moi de cela, J'avais appris il y a déjà plusieurs dizaines d'années qu'il y avait des fonds mauriciens aux archives départementales de La Réunion. Et à La Réunion, donc, il y avait des documents mauriciens, soit de gens qui ont voyagé, et pour une raison X ou Y, ça s'est retrouvé à La Réunion, soit il y a des dons qui ont été faits aux archives départementales de La Réunion. Donc je connaissais ça, mais moi, de mon côté, j'avais des photos de voyage de Mauriciens qui étaient partis à La Réunion et qui étaient revenus à Maurice. Des photos de vacances, quoi. Et donc, un jour, j'avais joint M. David Gagneur, qui est le directeur de l'Iconothèque historique de l'océan Indien, qui est basé à La Réunion. Et je lui ai dit, moi j'ai un fonds réunionnais, vous, visiblement, vous avez un fonds mauricien, est-ce que ça ne serait pas judicieux de faire un échange, non pas des fonds, mais des fonds numérisés? Je lui ai envoyé, je crois, 200 photos de La Réunion vers 1924. Et puis lui, après, il m'a envoyé ce fonds d'à peu près une centaine de photos de Maurice vers 1880. Et donc, l'année dernière, on avait exposé tout ce qui concernait pour lui. Et puis cette fois-ci, on avait gardé tout ce qui ne concernait pas pour lui pour le faire dans un deuxième temps. Donc du coup, on a exposé une centaine de photos de Maurice en 1880 qu'on n'avait pas précédemment, que personne ne connaissait. Quelles sont un peu les périodes couvertes par ces photos? Et qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y trouve? Des personnes, des lieux? Elle date de 1880, donc avant le cyclone de 92. C'est vraiment une île Maurice très lointaine, qui semble beaucoup plus lointaine. Parce que parfois, vous avez des collectionneurs qui ont des photos des années 50 et qui sont déjà dépaysantes. C'est-à-dire, c'est une autre île Maurice. Et là, c'est 1880, donc c'est très, très, très loin en arrière, quand même. Donc, on voit d'autres traditions, d'autres personnes, d'autres monuments, des monuments qui n'existent plus, des paysages qui complètement été chamboulés, etc., etc. Donc, c'est intéressant de se remémorer le passé. Alors, autant que des lieux, il y a aussi des Mauriciens eux-mêmes. On retrouve finalement toutes les composantes de la population mauricienne. C'est un photographe qui a pris les photos. Ce n'est pas des photos d'amateurs, comme il y en aurait eu déjà. Justement, ce que j'avais envoyé en 1924, qui datait de 1924, c'était des photos mauriciennes d'amateurs, de gens qui étaient partis en vacances à La Réunion. Mais là, par contre, ce sont vraiment des photos prises par un photographe. Après, maintenant, dans quelles circonstances ça a été pris et pourquoi ce photographe-là a pris ces photos-là et pas d'autres, etc., ça reste un mystère.
Bah, en fait, nous, on a la chance d'avoir aussi un fonds de cartes postales. Bon, les cartes postales, c'est plus tardif. Hein. La première carte postale, c'est 1901. Donc, c'est déjà 20 ans après ces photos-là. Mais quand même, ça permet de les mettre en valeur avec des cartes postales de cette époque-là. Et puis après, il y avait plusieurs maquettes du temple Kailasson qui vont bien avec certaines photos, ou bien du château de Montplaisir au jardin des Pamplemousses, parce qu'il y a beaucoup de photos du jardin des Pamplemousses. Donc ça permet de mettre un peu du tridimensionnel aussi dans l'expo, mais le but, c'est vraiment les photos, quoi. Voilà, donc les retours des gens, est-ce qu'il y a de l'émotion aussi des fois qui survient là? Bah, forcément, parce que c'est une île Maurice qui n'existe plus. Donc, bien sûr, il y a des monuments qui demeurent, le temple Kailasson, le château de Montplaisir, tout ça, mais on voit bien que c'est des monuments qui ne sont plus tout à fait pareils. Les murs d'enceinte sont élargis, ne sont plus les mêmes. Enfin, il y a des tas de choses qui ont changé. Mais l'intérêt aussi, c'est que c'est un vrai photographe qui a pris les photos. Donc on voit certaines photos, il y a des recherches esthétiques, comme par exemple les cascades, on voit le mouvement des cascades, donc il a fait un temps de pause en conséquence. Et puis il y a des photos prises en surplomb, par exemple, au Jardin des Pamplemousses, avec la grille du Jardin des Pamplemousses. Et c'est bizarre parce que c'est largement au-dessus de la cime des arbres. Est-ce que c'est pris de l'église de Pamplemousses? Je ne pense pas. Donc c'est un peu mystérieux, il doit y avoir peut-être qu'il a utilisé un ballon, tout simplement, à l'époque. C'est possible. Hein. Alors, avant qu'on oublie, justement, hormis cette exposition, il y a aussi eu la création d'un catalogue. Donc parlez-moi du catalogue, en fait. Ben, ça dépend des expos, parce que parfois on a la chance de trouver le financement. Parfois c'est beaucoup plus difficile, ou bien pas forcément nécessaire. Donc en agissant de manière parcimonieuse, ben, on a quand même décidé cette fois-ci de faire un catalogue qui s'appelle tout simplement Maurice Longtemps, et qui expose les 96 photos. J'espère qu'on aura d'autres occasions de collaborer avec l'Iconothèque historique de l'océan Indien, parce que ça a été un win-win, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient des photos qu'ils ne connaissaient pas, et nous, il y a des photos qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas. Et par exemple, moi, je peux faire une exposition sur La Réunion, bien sûr, mais ce n'est pas ma première vocation. Donc l'échanger en numérique avec eux, et eux qui m'apportent ce qu'ils ont fait en numérique, ce qu'ils avaient avec eux, bah, ça me permet quand même, ça nous permet réciproquement de progresser, quoi. Et d'avoir des fonds qui circulent, de les avoir en plusieurs exemplaires aussi, parce que l'air de rien, si le fonds qu'ils avaient aux archives départementales de La Réunion disparaissait, ils seraient peut-être bien contents d'avoir celui-là, et vice-versa. Il vous reste encore un peu de temps, soit jusqu'au 26 octobre 2024, pour cette immersion picturale dans le passé de notre île. Maurice Longtemps, au musée Blue Penny, Codan, Port-Louis. Rétrospective maintenant d'une exposition retraçant le parcours de Nalini Tribhuwan. Plasticienne de longue carrière, Nalini Tribhuwan a aussi été pendant très longtemps chargée de cours à l'école des beaux-arts Mahatma Gandhi, où elle a formé des générations de plasticiens mauriciens. La contrepartie de cette exposition rétrospective, intitulée Inner Eye, est un livre publié à tirage limité qui retrace la carrière de cette grande dame de la peinture mauricienne. Inner Eye se tenait au foyer du Plaza Rosil du 9 au 24 août 2024.
rencontre avec Nalini Tribohon, aussi connue comme Nin, qui dévoile à travers tableaux, sculptures et installations son monde intérieur. Alors Nalini Tribohon, nous sommes ici dans une rétrospective assez de taille qui accompagne aussi la sortie d'un livre. Ça s'appelle « The Inner Eye ». « The Inner Eye », bon, d'abord, on a beaucoup travaillé sur le livre et puis on a choisi donc le titre. « Le Inner Eye », c'est tout ce qu'on peut, tout ce que moi, je peux ressentir en rapport à la vie, en rapport à ma vie, en rapport à, au pays, etc. Donc, ce qu'on ressent et qu'on arrive à sortir, quoi. C'est un peu comme un livre qu'on écrit. On écrit un livre, on dit ce qu'on ressent. C'est exactement la même chose pour moi, pour ma peinture. On a pensé au livre d'abord. Et ensuite, on s'est dit que dans le livre, il y avait donc toutes les époques. On s'est dit, on va l'accompagner d'une exposition. Et bien sûr, rétrospective, je ne peux pas avoir tous les tableaux. Il y en a qui ont été vendus ailleurs, dans d'autres pays. Mais ici, j'ai pris en emprunt une dizaine de tableaux qui ont été vendus. Donc, quelque part, pour faire la connexion avec les différentes époques. Il est toujours difficile pour un artiste de jeter un regard sur son œuvre. Mais est-ce qu'il y a des jalons comme ça, aujourd'hui, lorsque vous regardez tout ça, vous vous dites, voilà, bah, il y a eu ces moments dans ma peinture, dans mon évolution Oui, je crois, si je vois les peintures de ma première expo, c'était assez classique, à l'huile classique. Ensuite, lentement, en voyant, j'ai exploré beaucoup de matières. Et pour dire qu'en 2024, je travaille la matière, je travaille l'acrylique, etc. Il y a eu des époques comme ça, quoi. Bien sûr, il y a des périodes. Est-ce que vous ressentez qu'il y a aussi des séries, certaines choses qui sont, voilà... Oui, j'ai travaillé sur l'immigration indienne. Ma thèse était sur l'immigration indienne, ce qu'eux ont porté. Et on a fait en 2015-2014, je crois, Hanging History avec Dr. Vijaya Tilak. Et on a parlé, on a fait l'exposition sur les vêtements des femmes indiennes émigrantes qui sont arrivées à Maurice, la manière de s'habiller, les bijoux qu'elles portaient, le textile, etc. Donc c'était une thématique bien précise, bien précise. Il fallait faire des recherches, il fallait trouver les images d'archives. Donc c'était différent des autres peintures. Vous êtes plasticienne, mais vous avez aussi pendant très longtemps été chargée de cours à l'École des Beaux-Arts. Donc vous avez formé, je ne sais pas pendant combien d'années, des générations de peintres. Écoute, moi j'étais très satisfaite de mes élèves qui sont maintenant eux-mêmes artistes, qui sont venus d'ailleurs voir l'expo. C'est à eux de dire ce que je leur ai apporté. Je veux dire, ce n'est pas à moi de le dire. Voilà. Mais disons, quelle a été la philosophie de peinture que vous défendez par rapport à peut-être vos convictions personnelles de ce que c'est que la peinture et
Voilà. Est-ce que c'est la matière avant tout? Est-ce que c'est la couleur avant tout? C'est la matière et les couleurs, probablement. Mais le dessin aussi est quelque chose d'important. Mais c'est différent. C'est des différentes techniques. Je veux dire, tout marche ensemble. Avant d'arriver à une peinture, on fait des dessins. Les dessins sont quelquefois plus intéressants que les peintures. Même quand il y a de l'abstraction, un encre, un point de repère figuratif reste quand même toujours présent dans votre peinture. Vous défendez un peu cette position-là, qui est quelque chose qui accroche le regard, qui est quelque chose... Écoutez, c'est ma manière de voir, c'est ma manière de fonctionner. Moi, j'aime bien quand on regarde un tableau, on ne le découvre pas tout de suite. C'est-à-dire, le point de repère viendra peut-être après. Dans votre peinture, est-ce qu'il y a eu des... Peut-être pas des thématiques, mais des sujets qui ont souvent interpellé, qui sont souvent revenus. Oui. Il y a des comme les liens magiques qui reviennent, le questionnement sur le temps, comme au seuil du temps. Il y a trois, je montre trois temps du le matin, la journée, le soir. C'est le temps, quoi. Je reviens sur ce livre. Ce livre fait état de beaucoup de dessins. Est-ce que le dessin, finalement, pour vous, ça reste quelque chose de fondamental? Je ne sais pas trop. Je crois que c'est juste une manière d'être, une manière de voir, une manière de porter les formes sur papier. Voilà. C'est les lignes, quoi. C'est les lignes. Dans une composition de peinture aussi, il y a des lignes. Qu'est-ce que cela fait pour un artiste de créer? Quelle est la nécessité pour l'équilibre intérieur pour... Écoutez, c'est comme la méditation aussi. Il y a des gens qui aiment méditer parce que ça leur fait du bien. Moi, créer, peindre, dessiner, ça me fait du bien. C'est une nécessité pour moi. Ce n'est pas un devoir, c'est pas... c'est pas... Si, je veux bien vendre, mais ce n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. Et vous êtes aujourd'hui... Bon, c'est vrai que vous avez de longues années de peinture derrière vous. Je ne sais pas quel regard vous jetez, vous, sur la peinture Maurice. Voilà. Sur le fait d'être artiste à Maurice, parce que, bon, je rencontre des artistes de différents milieux, à différents moments de leur parcours. C'est vrai, on dit souvent que peut-être à Maurice, le parcours est un peu plus difficile, que bon, on crée, mais peut-être les acquisitions, elles sont un peu occasionnelles. Le public aime bien voir, mais n'aime pas trop. Enfin, peut-être pas nécessairement acquérir, etc. C'est un peu par rapport à la réalité de notre pays. Vous, est-ce qu'aujourd'hui, looking back, est-ce que c'est un parcours satisfaisant quand même? Vous sentez que le parcours était différent dans un autre contexte ou bien c'est... C'est vrai qu'à Maurice, on a quelques difficultés pour trouver des endroits pour exposer, premièrement. Mais je crois que le lieu de création, moi, à Maurice, je peux créer. Le lieu est important. Et je crois que comparé à ce que j'ai vu en 1988 lors de ma première exposition, il y a beaucoup plus d'intérêt pour l'art. Donc aujourd'hui, le pari de gagner sa vie en tant que plasticien est un peu plus réaliste. Ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est autre chose encore. Vous pensez que ça viendra? Espérons pour les jeunes. Espérons.
Donc revenons sur ce livre et des personnes qui vous ont aidé à le faire, qui ont contribué au livre et peut-être justement de cette longue amitié peut-être que vous avez avec eux. Oui, la préface a été écrite par Ananda Devi. Ensuite, il y a Hans Ramdet. Il y a Bernard Rouet qui a écrit, qui était mon prof à Paris. Il y a Vijaya Tilak qui a écrit. Et il y a Parul Dave Mukherjee qui a écrit. Donc, c'est des gens qui me connaissent. Il y a des gens qui me connaissent un peu plus longtemps que les autres, mais qui ont été très, très gentils pour écrire, quoi. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis Géraldine m'a beaucoup aidée pour le livre, pour que ça se fasse, quoi. Toute seule, je pense, j'aurais pas été capable de le faire. L'exposition Inner Eye, rétrospective d'une carrière riche et remplie, a pris fin le 24 août 2024. Le livre portant le même nom reste accessible. Sinon, vous pouvez suivre le parcours de la plasticienne Nalini Tribohon sur les réseaux sociaux. Fin de cette édition, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures riches en couleurs. Restez en ligne. Thank you.